Les secousses étaient violentes. Commandant Lowe, est-ce que vous m'entendez? Brink, nous vous cherchions, nous avons trouvé la dernière plaque de métal et nous... Écoutez-moi, commandant, je suis pris au piège. J'ai besoin de votre aide. Où êtes-vous? Je suis près d'un de ces ponts de lumière. Il y a une arche en pierre au-dessus d'une cascade et une crevasse dans les rochers. Vous êtes sûrement déjà venu ici. C'est bien vous qui avez allumé tous les ponts de lumière, non? Tenez bon, nous arrivons. Tenez bon? Très drôle. Vous avez coincé votre main dans une crevasse? Je croyais que vous aviez vraiment des ennuis, Brink. Il faudrait que ce soit votre main pour qu'il s'agisse vraiment d'ennuis, commandant. Moi, je ne vais pas fourrer mes mains dans les crevasses. J'essayais de prendre un cristal de vie quand les rochers bougeaient. Ma circulation sanguine est coupée, ma main n'est plus irriguée. Vous ne pourrez pas retirer ma main, commandant. Ne me laissez pas mourir ici, même si la seule solution est de couper ma main. Ne soyez pas aussi lugubre, Brink. Personne ne va vous couper la main. Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez peut-être pas tenir, Maggie. Vous êtes sérieux? Il s'est simplement coincé la main. Maintenant, sa mort n'est plus qu'une course contre la montre entre la gangrène, la faim et la soif. Vous pourriez lui couper la main? Bien sûr. Les militaires sont entraînés à faire face à certaines nécessités et à agir en conséquence. Ce serait plus facile si j'avais ce qu'il faut pour la couper. Utilisez vos dents s'il le faut. Oh, je pourrais, Brink, mais on ne peut pas scier un os avec les dents. C'est peut-être la chose la plus horrible qui nous arrive depuis que nous sommes ici. Faites quelque chose, commandant! Vite! Vous allez lui couper la main avec cette mâchoire? Les dents sont coupantes comme des rasoirs. Et vous avez pensé à l'anesthésier? Allez-y, commandant! Serrez les dents, Brink. Je suis étonné de vous voir endurer une telle douleur sans sourciller. Je vais à peu près bien, mais je vais avoir besoin d'autres cristaux. Venez avec nous à la matrice triangulaire. Nous avons trouvé toutes les plaques. Nous pensons qu'elles vont nous ramener chez nous. Je ne sais pas où elles vont vous emmener, mais je préfère ramasser encore des cristaux de vie. Et si elles nous ramènent vraiment, Brink? Et si nous ne pouvons pas revenir vous chercher? Vous voulez rester ici pour toujours? Et dans ce cas, comment poursuivrez-vous vos recherches sur les cristaux de vie? Oui, c'est très juste. Je vais vous suivre pour essayer les plaques. Mais si elles ne nous ramènent pas chez nous, vous n'interviendrez plus jamais dans mes recherches. D'accord? D'accord? Vous acceptez? C'est un marché? J'accepte. D'accord, très bien. Voilà, ça devrait marcher. Qu'est-ce qui se passe exactement? Rien. Il ne se passe rien. Voilà. Ce n'est pas vraiment rien, Brink. C'est une porte.
Et vous croyez que la Terre est de l'autre côté? Moi, je crois qu'il n'y a rien de l'autre côté. Et qu'est-ce que vous imaginiez? Qu'une fée viendrait nous chercher pour nous ramener chez nous? Cette porte s'est ouverte. Il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Nous avons conclu un marché. Je suis venu. Ces plaques de métal ne nous ont pas ramenés sur Terre. Alors maintenant, oubliez-moi pour toujours. Vous m'avez donné votre parole. Et j'espère que vous la tiendrez. Il est vraiment devenu cinglé. Est-ce votre opinion en tant que journaliste? C'est mon opinion en tant que femme saine d'esprit. Robbins. Non, rien. J'ai vu quelque chose qui y ressemble dans les vitrines du musée. Cette machine était la plus grande découverte de l'inventeur. Elle sert à quoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous croyez qu'elle pourra nous renvoyer chez nous? Pour l'instant, elle ne fait rien du tout. Je dirais qu'il manque une pièce sur cette console. Il y a un emplacement vide. Robbins! Et si je n'avais pas remarqué cette inscription et que je ne l'avais pas emportée avec moi? Nous aurions pu errer pendant des années, jusqu'à la mort, sans pouvoir trouver cette île. Il cache les choses, et il nous aide ensuite à les trouver. Pour quelle mystérieuse raison les extraterrestres agissent-ils ainsi? C'est peut-être pour tester notre intelligence. Ou pour éprouver notre malchance. Ou notre persévérance. Nous devons essayer de mettre en route la machine de l'inventeur. C'est le seul moyen de savoir à quoi elle sert vraiment. Vous voulez fouiller toutes les îles pour retrouver cette pièce, alors que nous ne savons même pas à quoi elle ressemble? Pourquoi est-ce que nous ne trouvons plus aucun indice? Les indices concernaient des choses délibérément cachées pour les protéger. Mais si cette pièce manquante avait été volée, ou simplement détruite par la corrosion? Alors tout ça ne servirait à rien. Boston, quelqu'un sait à quoi sert la pièce, et peut-être même où elle se trouve. Pas moi, en tout cas. Je ne parlais pas de vous. Je parlais de quelqu'un qui est enfermé dans une pyramide de cristal. Merci. Désolé, l'oiseau, mais il faudra te trouver une autre maison.
Je devrais peut-être prendre un autre cristal de vie. Robbins. Non, rien. C'est maintenant que ma connaissance de ces extraterrestres va porter ses fruits ou nous condamner. Nous condamner ? Tant que nous ne l'offensons pas par mégarde, tout ira bien. Aklash. Ah. Il dit « ouvrez votre bouche », ce qui veut dire chez eux « parlez ». Je vous laisse parler, Maggie, vous pourriez mieux vous comprendre. Parlez. Ces ponts de lumière sont magnifiques. Nous n'aurions jamais pu imaginer qu'il était possible de marcher sur de la lumière. Ah oui. Nous avons nous-mêmes été surpris du côté pratique de ces rayons lumineux. Si nous avions su, nous n'aurions pas pris la peine de construire les trams. Si vous étiez surpris de l'utilisation de la lumière, pourquoi avez-vous créé ces ponts ? Quand tous les ponts seront formés, l'œil pourra voir. Quand vous dites « l'œil pourra voir », vous parlez de nos yeux ou d'autres yeux ? Un œil peut voir les trois dimensions du temps, mais aussi les trois dimensions de l'espace. Il vous montrera des beautés sans limite. Mais lorsque vous aurez vu l'espace-temps 6, verrez-vous encore l'espace-temps 4. L'œil peut être ouvert, mais l'esprit n'a pas la force de voir. La machine qui est dans votre laboratoire, à quoi sert-elle ? Quand toutes les lumières brillent, elle ouvre l'œil. Vous parlez d'un œil ? Est-ce qu'il s'agit du cristal qui est au centre des îles, là où tous les ponts de lumière se rejoignent ? C'est la machine qui crée cet œil ? L'œil voit dans l'espace et le temps, et là où regarde l'œil, l'esprit peut voyager. Cet œil est-il le passage que votre peuple a utilisé pour quitter cette planète ? Un passage qui ne peut se franchir que dans un seul sens. Vous n'en savez rien ? Si quelqu'un a des liens suffisants avec la réalité ? Vous pensez être plus fort que tout mon peuple, même eux, la plus forte de toutes les races connues, ils n'ont pas pu résister à la tentation. Et déjà, il était trop tard. Si nous ramenons votre peuple dans ce monde, ils pourront construire un vaisseau pour nous ramener sur Terre. C'est notre seule chance. Nous échouerons peut-être, mais vous devez nous laisser essayer. Si vous pensez que vous êtes plus sage et plus fort que mon peuple, je vous laisserai cueillir le fruit de votre orgueil. Je vous dirai où vous pourrez trouver la pièce que j'ai cachée, si vous savez comment le demander. Mais cela vous coûtera plus que tout ce que vous avez pu imaginer.
L'île que nous avons trouvée, où était-elle cachée? Elle avait quitté cette réalité, mais seulement en partie. Elle peut revenir, car elle n'est jamais partie complètement. Est-ce que l'île peut entrer et sortir de notre réalité? Elle perd un peu de sa substance à chaque passage. Nous pensions pouvoir emmener notre planète avec nous dans l'espace-temps 6, mais c'était impossible. Si quelque chose quitte notre réalité, c'est pour aller où? Dans un lieu où le temps est infini, dans toutes les directions. Mais comme le temps n'est pas rectiligne, il est impossible de le prédire ou de le contrôler. Ceux qui vont là-bas en partant d'ici ne peuvent rien changer. Ils sont condamnés à n'être que de simples observateurs pour l'éternité. Au sujet des créatures qui vivent ici maintenant, votre peuple les connaissait ou bien sont-elles arrivées plus tard? Il s'est passé des millions d'années depuis cette époque. Ceux qui étaient autrefois nos animaux de compagnie ont suivi leur propre évolution. Ils sont devenus doux ou féroces, intelligents ou idiots, mais toujours ce qu'ils devaient être. Est-ce qu'il y a d'autres monstres comme celui qui m'a capturé? Celui-là n'est pas le fruit d'une évolution. Il a été fabriqué, et il y en a autant que nous en avons besoin. Qui êtes-vous, honorable créature? Celui qui apporte le malheur. Je vous en prie, dites-moi qui vous êtes. Je suis le bâtisseur qui démolit, le créateur qui détruit. Et pourtant, je voudrais tant être le destructeur qui reconstruit, le danger qui protège. Parlez clairement, dites-nous qui vous êtes. Jadis, on m'acclamait comme le plus grand esprit de mon peuple. J'ai voulu lui offrir le pouvoir et le bonheur. Je lui ai donné le pouvoir de quitter ce monde, d'abandonner l'enveloppe corporelle, de devenir pure énergie, pur esprit, éternellement parfait. Mais je ne pouvais pas lui donner le pouvoir de revenir et de reprendre ses corps abandonnés dans un monde en décomposition. Ils sont perdus et ils ne peuvent pas revenir. Est-ce que vous avez un nom? J'avais un nom lorsque j'étais vivant. Mais maintenant que je suis mort tant de fois, que ferais-je d'un nom? Mon corps est si vieux que l'effet des cristaux s'atténue à chaque fois. Je me relève un instant pour retomber sans cesse. Bientôt je ne me relèverai plus. Et ce n'est qu'alors que disparaîtra ma douleur. Je ne veux laisser aucun nom, aucun souvenir après moi. Je vous en prie, arrêtez de jouer avec nous. Où est la pièce manquante? Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous déclencherez si vous activez l'œil. Vous ne pouvez pas vous permettre d'en payer le prix. Si, vous nous avez prévenus. Alors, où est la pièce? Allez dans la salle de la carte avec ce message et regardez bien ce qu'elle vous montrera. Je vous en ai assez dit. Vous avez inventé les cristaux de vie, faire revivre les morts, c'est la plus grande réalisation que nous ayons vue. Ce qui fait revivre les morts peut déstabiliser la vie. Est-ce que les cristaux ont des effets secondaires? Les cristaux ne créent pas la vie, mais un esclave. Alors quand les cristaux de vie font revivre quelqu'un, cette personne n'est pas vraiment vivante? Ils restaurent les cellules et les organes, mais ils prennent tout ce qui fait l'intérêt même de la vie. Alors pourquoi les avez-vous créés? Notre civilisation est devenue obsédée par la vie éternelle. J'ai sous-estimé l'importance et les dangers de cette obsession. Les cristaux sont ma deuxième grave erreur. Merci pour votre aide. Je ne vous aurais aidé que si vous aviez abandonné votre plan insensé. Nous n'abandonnerons pas. Ma seule consolation est de savoir que la véritable mort se rapproche avec chaque petite mort. Bravo pour la traduction, Maggie. Il parle très lentement et très clairement, mais c'est vrai que je suis très douée.
Alors, c'est là qu'est cachée cette pièce. S'il nous a donné le bon code... Cet endroit est aussi sinistre que la forêt derrière ma maison quand j'étais petit. Maggie, il faut y aller. J'aimerais savoir ce qui va se passer quand je vais remettre cette pièce en place.
Où étiez-vous passé? Où étions-nous passés? J'ai besoin de vos cristaux. De tous vos cristaux. Tout de suite. Allons, Brink. Vous ne pouvez tout de même pas utiliser tous ces cristaux pour vous. Ce n'est pas pour moi, imbécile. J'en ai besoin pour ma machine. Pour la science. La recherche. Donnez-les-moi. Votre machine? Mais de quoi parlez-vous? J'en ai ras-le-bol de parler. Je ne laisserai personne s'interposer entre moi et la plus grande découverte scientifique de l'histoire. Il ne me reste que ces quelques cristaux, Brink, mais je serais heureux de les partager avec vous, si vous voulez. Je veux tout! Vous n'avez pas besoin de partager, Lo. J'ai tout pris. Et heureusement que vous ne vous êtes pas défendu. Je vous aurais tué pour les avoir. Vous auriez pu essayer. Nuance. Vous ne serez bientôt que deux notes de bas de page dans les annales de mes découvertes. Il n'a pas endommagé la pièce de la machine, j'espère. Elle s'adapte parfaitement, mais la machine ne fonctionne toujours pas. L'extraterrestre nous aurait-il menti? Ou est-ce que la machine a besoin d'autre chose pour fonctionner? J'ai l'impression qu'un cristal de vie rentrerait parfaitement là-dedans. Je crois que je vais emporter ça. Robbins! Nous devons essayer de mettre en route la machine de l'inventeur. C'est le seul moyen de savoir à quoi elle sert vraiment. Bon, nous avons la pièce. Vous ne croyez pas que nous devrions essayer cette pièce dans la machine? J'ai le pressentiment que l'inventeur ne voulait pas que nous le fassions. Bien sûr que nous devrions. C'est probablement notre dernière chance de pouvoir rentrer chez nous. Merci. Robbins! La pièce que nous avons trouvée s'adapte parfaitement, mais la machine ne fonctionne toujours pas. Il y a un emplacement de la taille d'un cristal de vie, vous vous souvenez? Vous n'avez rien remarqué? Vous croyez qu'il faut un cristal de vie pour la faire fonctionner? Génial! Brink vient de nous les voler. Il a volé le vôtre, mais pas le mien. J'en ai un. Vraiment? Bien sûr, j'en garderai toujours un sur moi. Et si vous étiez mort, hein? Ce sont des choses qui peuvent arriver. Même les héros se font tuer quelquefois. Bon, donnez-le-moi. Je vais le mettre dans la machine pendant que vous vous occupez de ses contrôles. La machine s'est mise en route, mais elle n'a fonctionné que quelques secondes. Je crois qu'un seul cristal de vie, ce n'est pas suffisant. Il en faut peut-être deux ou trois, ou même une centaine. Génial! Brink est le seul à en avoir. À l'heure qu'il est, il a dû fouiller toutes les îles et il les aura tous récupérés. Je crois que je vais emporter ça. Fichez le camp d'ici! Je ne vous laisserai pas saboter ma machine à cristaux. Mais nous ne voulons rien saboter. Nous avons besoin de cristaux pour la machine qui permet d'activer l'œil de cristal au-dessus de l'île centrale. Si vous avez une machine qui fabrique des cristaux de vie, pourquoi refusez-vous de nous en donner? Ma machine ne fonctionne pas encore. Ouais, vous pouvez rigoler si vous voulez. J'ai examiné toutes les inscriptions. Maggie n'est pas la seule qui sache déchiffrer les langages inconnus.
J'ai suivi les plans que j'ai trouvés, mais il me manque encore quelque chose pour que la machine puisse fonctionner. Alors si vous croyez que vous allez encore me voler mes cristaux de vie, commandant Lowe, trouvez autre chose. Je vous tuerai d'abord, et croyez-moi, personne ne vous fera jamais revivre. En fait, vous m'avez arnaqué deux fois, alors que je ne vous ai arnaqué qu'une seule fois. Vous avez donc une arnaque d'avance. Ne plaisantez pas avec moi. Ne plaisantez pas avec lui, Boston. Brink, je crois savoir quelle est la pièce qui manque à votre machine. Comment pourriez-vous savoir une chose pareille? Vous n'êtes pas un scientifique, mais un vulgaire soldat de plomb borné. Je crois que c'est la même pièce qui est nécessaire pour le générateur de l'œil. Je crois que c'est la clé de toutes ces technologies. L'inventeur extraterrestre l'a cachée, car sans elle, les machines qui sont dangereuses à ses yeux ne peuvent pas fonctionner. Mais pourquoi le créateur des cristaux de vie penserait-il qu'ils sont dangereux? Parce que ces cristaux procurent une telle sensation de bien-être qu'ils prennent aussi votre vie. Et vous n'êtes plus obsédé que par une chose, en avoir toujours plus. Il a dit que c'était sa deuxième grave erreur. Et quelle était la première? C'était l'œil. Alors comme ça, vous me traitez sans arrêt de fou avec Maggie? Alors que vous allez faire une erreur bien pire que celle-là. Je vous propose un marché, Brink. Oui, un marché, comme la dernière fois. Je garde ma part. Mais vous revenez sur votre parole. Non, pas du tout. Je voulais simplement en parler avec vous avant. Je ne traite pas avec les menteurs et les voleurs. Brink, vous avez ce dont j'ai besoin pour faire fonctionner la machine. Mais si ça marche, vous aurez beaucoup de cristaux de vie, n'est-ce pas? Vous pourrez donc les partager avec nous, ça ne vous coûtera rien. Exact? Si vous avez la pièce manquante, ça marche. Je vous propose le marché. C'est votre machine, mais ma pièce. On fait moitié-moitié pour les cristaux de vie. Je sais que vous allez essayer de m'arnaquer. Nous n'approcherons même pas de la machine quand elle fonctionnera. Et c'est vous qui partagerez les cristaux de vie. Alors qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de tout garder? Moi, parce que je suis militaire et bien entraîné, Brink. Et si je devais me battre avec vous, je me moque de savoir si vous êtes en pleine forme et en bonne santé. Vous perdrez, à coup sûr. Et dans ce cas, c'est moi qui prendrai tous les cristaux. Vous comprenez? Trouvez cette pièce et mettez-la dans ma machine. Les menteurs et les voleurs peuvent aussi négocier s'ils se surveillent attentivement. La moitié des cristaux de vie, Brink. N'oubliez pas. Vous ne me faites pas peur, gorille imberbe. Et voilà, ça rentre parfaitement. C'est comme ça que les extraterrestres ont prévu le fonctionnement de cette machine. Il ne se passe rien. Mais si, elle vibre. Un peu de patience. Comment peut-on savoir quelle est sa vitesse de production? Il faut simplement attendre. C'est bon pour moi. On partage moitié-moitié, d'accord? Bien sûr. Ouais, moitié-moitié. Regardez, en voilà un. Et un autre. Deux. Deux? C'est tout? Il m'en faut plus que deux. Peut-être, Brink, mais un seul cristal ne me suffira pas non plus, en tout cas. Vous avez toujours les cristaux que vous m'avez volés et que vous avez récupérés un peu partout. N'y touchez pas! Vous avez dit moitié-moitié, Brink. Bon, vous devez en avoir quelques centaines. Si je prends ces deux-là, c'est encore loin de la moitié. Je savais que vous étiez un menteur et un tricheur. Vous ne m'auriez pas laissé un seul cristal, je le sais. Je vais améliorer encore plus la machine. Elle produira encore plus de cristaux. Non, pas tant que nous serons ici, en tout cas. J'ai besoin de cette pièce pour le générateur de l'œil. Vous ne prendrez rien sur cette machine, espèce de sale voleur! Une fois que l'œil fonctionnera, vous pourrez revenir avec nous sur Terre. Ou vous pourrez rester ici, prendre la pièce du générateur de l'œil, et la réinstaller sur votre propre machine. Il suffit d'avoir un peu de patience. Non! Ma machine s'arrête! Vous avez ruiné ma machine! Vous êtes un homme mort. Brink, arrêtez. Nous ne sommes pas obligés de nous battre. Vous pourrez récupérer la pièce quand nous aurons terminé. Vous ne dites que des mensonges. Maggie, dites-le lui. Si vous dites un seul mot, Maggie, je vous tuerai aussi. Brink, ne m'obligez pas à être violent avec vous. Vous ne pourrez plus me faire de mal quand vous serez mort. Brink! Oh, Maggie, je vous en prie, croyez-moi, je ne voulais pas lui faire de mal, je ne voulais pas le tuer. Ce n'est pas Brink qui est mort.
Brink est déjà mort en tombant dans ce trou quand nous sommes arrivés. La créature qui est tombée de la falaise n'était pas Brink, c'était quelqu'un d'étranger. Créé par ces cristaux de mort. Maggie, est-ce que nous n'allons pas faire une erreur encore plus énorme en activant l'œil? La pire erreur que nous pourrions faire, c'est de rester dans ce monde plus longtemps que nécessaire. Nous devons tout faire pour notre survie. Mais si nous mourons en essayant de survivre? Vous ne comprenez donc pas, Boston? Cet endroit est bien pire que la mort. Je préfère mourir que de rester ici. L'extraterrestre avait raison. Cette chose a déjà tué l'un d'entre nous, mais elle est remise en place. Les cristaux qui ont coûté la vie à Brink. Robbins, c'est vous qui savez lire les livres de ces extraterrestres. Qu'est-ce qui va se passer si nous allumons la machine avec assez de cristaux de vie pour qu'elle fonctionne? Il m'aurait fallu des années pour tout lire, Boston. Et je n'ai pas compris la moitié de ce que je lisais. Mais il ne fait aucun doute que cette machine est dangereuse. L'extraterrestre nous a dit que ça nous coûterait plus que ce que nous pensions. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Peut-être que nous serons tués en la mettant en route. Vous voulez dire qu'il aurait piégé la machine? Non, mais la machine a besoin d'autre chose en plus des cristaux de vie. Elle pourrait drainer la vie de celui ou celle qui l'utilise. Alors c'est moi qui m'occupe des contrôles. Ne soyez pas absurde, il ne se passera peut-être rien du tout. Ou elle pourrait tuer celui qui n'est pas aux commandes. Je veux juste vous dire quelque chose. Pas d'adieu, non, nous allons rentrer chez nous. Et ensemble, Maggie. Je ne suis pas une grande sentimentale, Boston. Je n'allais pas vous faire mes adieux. Je voulais simplement que vous me promettiez quelque chose. Après m'avoir vu rompre toutes les promesses que j'ai faites à Brink, vous voulez que je vous promette quelque chose? Ce qui est arrivé avec Brink n'est pas de votre faute, Boston. Mais je sais que vous tiendrez parole avec moi. Quelle est cette promesse? Si je meurs, et que vous survivez, n'utilisez pas les cristaux de vie sur moi. Ne me faites pas revivre. Vous comprenez? Vous en êtes bien sûr? J'ai vu comment Brink s'est transformé. Je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose. Vous ne feriez pas revivre Maggie Robbins? Vous ne feriez que créer un monstre, avec mes souvenirs et mon visage. Ne le faites pas, promettez-le-moi. C'est promis, Maggie. Et la même chose pour moi, d'accord? D'accord. Et maintenant, dites-moi vraiment la vérité, Maggie. Vous êtes bien sûr que vous n'avez pas lu quelque part que celui qui contrôle cette machine prend de gros risques? Boston, je n'en sais pas plus que vous sur ce qui se passera quand nous mettrons cette machine en route. Si jamais vous mentez, je serai vraiment fâché, Maggie. Oui, je sais. C'est parti!
c'est bloqué, je vais être obligé de l'ouvrir. Soyez prudente. Vous saviez ce qui allait arriver. L'œil. Oui, ça a marché. L'œil est restauré. Alors ça valait le coup. Rentrez chez vous. Maggie. J'aurais dû me douter que l'inventeur aurait encore un tour dans son sac. C'était la dernière chance du créateur de m'arrêter. Je vais aller dans l'espace-temps 6. Je vais ramener les gens d'ici chez eux, et ils vont me construire un vaisseau qui me ramènera sur Terre. Je crois que c'est l'épreuve décisive. Est-ce qu'un terrien à l'esprit pratique Robbins pourra réussir là où toutes les créatures qui ont construit cette planète ont échoué? C'est vous qui savez que je peux aller dans l'espace temps 6 et retrouver la sortie vers la réalité. Si nous allumons la machine, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir pour qu'elle fonctionne. Il m'aurait fallu des années pour tout lire, Boston. Et je n'ai pas compris la moitié de ce que je disais. Mais il ne fait aucun doute que cette machine est dangereuse. L'extraterrestre nous a dit que ça nous coûterait plus que ce que nous pensions. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Peut-être que nous serons tués en la mettant. On peut se perdre trop facilement. Vous voulez dire qu'il aurait piégé la machine? Non, mais la machine a besoin d'autre chose en plus des cristaux de vie. Elle pourrait drainer la vie de celui ou celle qui l'utilise. Alors c'est moi qui m'occupe des contrôles. Vous êtes aussi fort que nous l'espérions. Il ne se passera peut-être rien. Je peux vous. Ou elle pourrait tuer celui qui n'est pas aux commandes. Je veux juste vous dire quelque chose. Pas d'adieu. Tous les esprits nous allons rentrer chez nous et ensemble à la perfection. Je suis pas une vous grande êtes devant la porte. Je n'allais pas vous faire mes adieux. Je voulais simplement que vous me promettiez quelque vous chose. Vous nous montrez la voie qui nous ramène vers la vie. Vous voulez que je vers vous la réalité. Ce qui est arrivé avec Brink n'est vers pas de votre faute, nous Boston. Finirons par mais je sais que vous tiendrez parole avec moi. Quelle est cette promesse? Si je meurs et que vous survivez, n'utilisez pas les cristaux de vie sur moi. Ne me faites pas revivre. Vous comprenez? Bien sûr, je peux tout voir. Mais... J'ai vu comment Brink s'est transformé. Nickel. Je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose. Vous ne feriez pas revivre Maggie Robbins. Vous ne feriez que créer un monstre avec mes souvenirs et mon visage. Ne le faites pas, promettez-le-moi. C'est promis, Maggie. Et la même chose pour moi, d'accord? D'accord. Et maintenant, dites-moi vraiment la vérité, Maggie. Vous êtes bien sûr que vous n'avez pas lu quelque part que mes semblables ont retrouvé leur corps, leur Boston, squelette, je n'en sais pas plus que vous sur ce qui se passera quand nous mettrons cette machine en route. Si jamais vous mentez, je serai vraiment fâché. Mes amis sont morts. Oui, je sais. C'est retourner sur Terre et raconter leur disparition héroïque. Pourquoi ne pas les laisser raconter eux-mêmes leur histoire? J'aimerais bien. Vous seul connaissiez le chemin de notre planète, mais je connais tous les autres passages du temps et de l'espace. J'ai apporté un cadeau. Maggie, Brink, vous êtes vivant. Nous étions perdus, mais cette créature nous a retrouvés et nous a ramenés. C'est bloqué, je vais être obligé de l'ouvrir. Soyez prudente. Maggie, je croyais vous avoir perdu. Alors vous n'avez pas essayé de me faire revivre avec les cristaux? Non, je vous l'avais pas. Et de plus, les cristaux auraient marché. Je sais, Boston. Vous avez tenu parole. Et vous avez pourtant trouvé le moyen de me ramener de la mort. Je suis pour rien. Mais je suis heureux de vous mentir.
Et moi, je suis libéré de la folie de ces cristaux. Vous saviez ce qui allait arriver. L'œil. Oui, ça a marché. Vous avez l'œil réussi, est restauré. Alors, ça valait le non, coup. Non, c'est l'œuvre de notre ami. Rentrez non. chez vous. C'est vous qu'il faut remercier. Maillet. Nous vénérions autrefois un grand inventeur, car il avait ouvert la porte de l'immuable éternité. Mais c'est vous qui avez ouvert le passage revenant vers la vraie vie. Je ne suis qu'un type normal qui a envie de rentrer chez lui. Mon peuple prépare déjà un grand vaisseau de cristal pour vous ramener. Mais est-ce que nous pourrons revenir? Bien sûr, vous et tous ceux qui le souhaitent. Vous êtes une espèce encore jeune, forte, pleine d'espoir et de passion. Nous pouvons beaucoup vous apprendre. Et vous avez aussi beaucoup de choses à partager. L'amitié entre nos deux espèces restera éternelle. L'eau, je vous ai pourtant supplié. J'espère que l'avenir vous donnera raison. Car tous les humains ne sont pas aussi gentils que nous. Oh, je le sais bien. Toutes les jeunes espèces sont comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Si certains de vos semblables cherchent la bagarre, nous les écraserons comme des insectes. C'est rassurant. Le vaisseau est presque terminé. Rentrez chez vous. Et racontez à votre peuple ce que vous avez accompli. Ça, c'est le job de ma vie. Et nous ramener chez vous, c'était le vôtre. Vous avez réussi, Boston. Merci, Boston. Nous vous remercions tous, Boston Low. J'aurais dû me douter que l'inventeur aurait encore un tour dans son sac. C'était la dernière chance du créateur de m'arrêter. Je vais aller dans l'espace-temps 6. Je vais ramener les gens d'ici chez eux et ils vont me construire un vaisseau qui me ramènera sur Terre. Je crois que c'est l'épreuve décisive. Est-ce qu'un terrien à l'esprit pratique pourra réussir là où toutes les créatures qui ont construit cette planète ont échoué? Est-ce que je peux aller dans l'espace-temps 6 et retrouver la sortie vers la réalité? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est magnifique. On peut se perdre trop facilement ici. Non, non, je n'irai pas plus loin. Je reste ici pour pouvoir ressortir. Vous êtes aussi fort que nous l'espérions, humain. Je peux vous comprendre. Dans l'espace-temps 6, tous les esprits vivants communiquent à la perfection. Vous êtes devant la porte, humain. Vous nous montrez la voie qui nous ramène vers la vie, vers la réalité. Vers un lieu où nous finirons par mourir un jour, mais où nous aurons une vie avant cette mort. Tous les passés, tous les futurs, je peux tout voir, mais lequel est réel? Repartez maintenant, humain. Ramenez-moi. Mes semblables ont retrouvé leur corps, leur squelette, leur vie. Nous vous devons beaucoup, commandant Low. Tout ce que je veux, maintenant que mes amis sont morts, c'est retourner sur Terre et raconter leur disparition héroïque. Pourquoi ne pas les laisser raconter eux-mêmes leur histoire? J'aimerais bien. Vous seul connaissiez le chemin de notre planète, mais je connais tous les autres passages du temps et de l'espace. Attendez, ne repartez pas là-bas. Je vous ai apporté un cadeau. Maggie, Brink, vous êtes vivants. Nous étions perdus, mais cette créature nous a retrouvés et nous a ramenés. Maggie, quand vous êtes morte, je suis si heureux de vous revoir. Je ne sais pas si moi je suis aussi heureuse de vous revoir, Boston. Vous n'avez pas tenu votre promesse? Je suis désolé, mais je ne voulais pas continuer sans vous. Mais vous saviez que les cristaux ne redonnaient pas la vie. Ce n'était pas moi. Mais
C'est vous, maintenant. Oui, c'est vrai, oui. Et moi, je suis libéré de la folie de ces cristaux. Vous avez réussi, Lord. Non, c'est l'œuvre de notre ami. Non, c'est vous qu'il faut remercier. Nous vénérions autrefois un grand inventeur, car il avait ouvert la porte de l'immuable éternité. Mais c'est vous qui avez ouvert le passage revenant vers la vraie vie. Je ne suis qu'un type normal qui a envie de rentrer chez lui. Mon peuple prépare déjà un grand vaisseau de cristal pour vous ramener. Mais est-ce que nous pourrons revenir ? Bien sûr, vous et tous ceux qui le souhaitent. Vous êtes une espèce encore jeune, forte, pleine d'espoir et de passion. Nous pouvons beaucoup vous apprendre. Et vous avez aussi beaucoup de choses à partager. L'amitié entre nos deux espèces restera éternelle. J'espère que l'avenir vous donnera raison, car tous les humains ne sont pas aussi gentils que nous. Oh, je le sais bien. Toutes les jeunes espèces sont comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Si certains de vos semblables cherchent la bagarre, nous les écraserons comme des insectes. C'est rassurant. Le vaisseau est presque terminé. Rentrez chez vous et racontez à votre peuple ce que vous avez accompli ici. Racontez au peuple. Ça, c'est le job de Maggie. Et nous ramener chez nous, c'était le vôtre. Vous avez réussi, Boston. Merci, Boston. Nous vous remercions tous, Boston Low.
Ouh.